Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Et Canubis lui dit « Viens et suis-moi, et je ferai de toi un chevalier de la Vierge Noire !» Deutéronome, chapitre 10, versets 8 à 9 et le verset 11. Ces textes sont les mêmes textes, de la même manière que les quatre évangiles sont les mêmes textes écrits sous une forme différente. Le peuple d'Israël était un maître de la superposition des images. Le peuple d'Israël qui a construit l'empire. L'empire mondial qu'a été l'Égypte, ce que l'homme a appelé Égypte antique. Une civilisation entièrement fondée sur la loi cannabique, la loi de la Bible. Verset 11. Anok Yahou me dit. Hop là. Allez, allez, allez. Anok Yahou me dit. Lève-toi. Lève-toi, va. Marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays, alléluia, que j'ai juré à leur père de leur donner. En ce temps-là, Anok Yahou sépara la tribu de Lévi, la tribu de Lévi à l'homme blanc, la femme blanche, Ava, et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, de se tenir devant Anok Yahou et de le servir, et de bénir le peuple. De bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Anok Yahou, le créateur du cannabis, est son héritage. Comme Anok Yahou, ton Elohim, le lui a dit.